Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est toujours un plaisir pour m'entrer la caillou pour me porter pour toute dernière information à travers le pays d'Haïti, tant que l'autre bord de l'eau. Jeudi, c'est vendredi 9 février 2024. Bienvenue dans la dernière édition Journal Créole, nous, en collaboration avec VOA Créole. Actualité a dominé sous plan national dans le pays d'Haïti. Gros mobilisation qui toujours a continué dans le cadre pour jeter Premier ministre Ariel Henry avec toute équipe en transition. Et bien, plusieurs partis politiques ont déjà rencontré et surtout leader parti politique Petite Dessalines. Il même les rencontré ensemble avec plusieurs autres leaders pour capable ou comment ou capable chavirer Ariel Henry. Et leader ça yo déjà fait connaître, yo pas reconnaître Ariel Henry comme premier ministre dans tête pays après 7 février qui saute passé là. Eh bien, Moïse Jean-Charles lui-même lui fait connaître mobilisation ça pendant il a continué pral gagner gros piment bouc yo même yo pral lancer et pral gagner piment que yo même yo pral mettre dans manifestation ça yo une façon pour capable pichauffer et même river atteindre objectif yo qui c'est chavirer Ariel Henry dans tête pouvoir yo estimer qui pas régler rien dans pays d'Haïti et yo fait connaître tout présence Ariel Henry dans tête pouvoir depuis 20 juillet 2021, c'est yon seul bagalier, c'est kidnapping, c'est viol, eh bien, c'est cas déjà, quand et tout ça qui pas bon dans tête en pays, alors que population lui-même, li pas qu'à fonctionner, li pas qu'à si qu'il est libre et libre. Eh bien, pour un petit temps de saline, non, mais c'est annoncé, nan jou kap vini ou là, pral gagner gros tête chargée et si toutefois Ariel Henry n'est pas ta décidé pour que lui-même il t'a quitté tête pouvoir eh bien il y a capable prendre Jean Yovlé et capable gagner zam tout qui capable sur tout territoire parce que quand il s'agit pour Ariel Henry il supposé quitter pouvoir pour capable bailler population une chance pour organiser élection et pour choisir moun qui au même Yovlé pour capable diriger dans pays d'Haïti, alors que gagné Claude Joseph lui-même qui fait connaître mobilisation yo pap campé yo toujours à continuer pour comment que yo même yo capable faire yo seul ensemble avec plusieurs autres partis politiques pour capable chavirer Ariel Henry. Objectif là c'est retirer dans tête transition lui-même qui participer dans assassinat ancien président Jovenel Moïse et n'a rappelé tout leader parti et petite Dessalines, mais c'est déjà rencontré avec 23 leaders. Et c'est grâce ensemble avec rencontre sa yo qui ba y a puis leader petite Dessalines plus force pour capable lancer mobilisation et pour capable atteindre objectif yo pour que capable déboulonner premier ministre Ariel Henry. De l'autre côté, c'est toujours dans le même cadre mobilisation, manifestation, gagné pendant toute manifestation qui fait dans le cadre pour jeter Ariel Henry. Parmi moun qui rive mourir, madame et monsieur, gagné commissaire divisionnaire Gary Deouzier, qui t'a dressé un bilan qui montre que gagné plusieurs moun qui déjà fait voile pour payer sans chapeau. Et parmi là-dedans, gagné 5 agents Bessapio, côté que la police qui t'a pété balle sur yo, dans objectif, côté que yo pensé que c'était chef rebelle là, qui c'est Guy Philippe lui-même, yo t'est arrivé, eh bien, pété ciel pour que t'es capable de finir ensemble avec lui. Gagné yon gros dame qui c'est Evelyne Frédéric, madame chef gang Kempes, chef gang qui a dirigé parti la plus ami internaute. La police rive fouke l'antan kou krab nan Wilama. Et bien, lui-même qui te gagné yon mission bien spéciale pour qu'il capable organe fait. Nan sa sa gagné, il servit comme antenne et moun tout qui servit comme moun qui a préparé pour connaître dans bloc l'hôpital général qui les gagne blocus à qui les pas gagne blocus yon façon pour que camion zam ensemble avec munition capable passer sorti dans bloc grand avenue pour arriver jeune Kempes dans bloc Belin. Et bien la police arrêté li hier après-midi aux environs de 3h. Et bien dans moment n'a parlé a li trouvé dans main la police en dedans de CPJ pour qu'elle capable continuer répondre question et même
subi sort que lui-même il t'a supposé subi dans moment n'a pas les là. Gagné pays Israël lancé un nouveau attaque et bien contre territoire Gaza dans même moment côté administration américaine lui-même yo fait connait attaque Israël yo dépassé limite Israël lui-même qui s'est monté depuis que lui-même n'est pas fini ensemble avec territoire Gaza faut pas ta gain yon grain moun qui était militant Amasio qui existait en dans ça dans gagner mes amis internautes gagner malgré depuis 7 octobre qui s'est passé là côté territoire Gaza lui-même militant ont fait plusieurs kidnapping sous et bien militant sous peuple israélien yo et bien on a parlé à israélien même yo cementé 7 fois 77 fois tout autant que yo pas fini ensemble avec militant amasio yo pas quitté yo c'est chaque jour y a créé moyen pour qu'il capable gagner yo nouveau attaque pour capable terminer ensemble avec tout monde qui trouvé yo en tant que militant Hamas. Gagné président Joe Biden lui-même en bon côté parle qui voyait j'étais bien loin yon enquête yon résultat en résultat yon enquête qui ont fait sous mémoire que lui-même li pas gagné et bien enquête ça côté enquêteur ou même t'a cherché connait est-ce que nouveau président américain est-ce qu'il gagné mémoire est-ce qu'il pas gagné et bien puisque yo estimé après toute collaboration qu'il même l'hypoté ensemble avec peuple américain lorsque lui-même il était simple citoyen et en tant que un chef qui était avant qu'il même était arrivé président non on a parlé à enquête qui a mené pour connait est-ce que président il gagne bon mémoire avec celle pas gagné et bien enquête là comme résultat qu'il bail président li pa gen yon bon mémoire et président lui-même li voye j'ai dit bien loin résultat ça côté qui fait qu'on est mémoire li pa fidèle en tout temps gagner la voix de l'Amérique qui va gagner pour venir avec plus détail dans dossier ça qui te me dit non pas monsieur Jerry Cristal qui t'a présenté journal jeudi a n'a quitté ensemble avec VOA Creole pour plus détail. Yon belle salutation pour nous tous. Jeudi à ce vendredi 9 février 2024. Et nous remercions tout le monde qui passe toute semaine avec nous. Et nous souhaitons faire ça encore pendant le week-end. Et même semaine prochaine, encore moi, vite fait. Moi, c'est Jean-Bert Philippe Castal, nous, depuis la capitale fédérale américaine, Washington DC, Nouvelle-York. Quelques grands points de domination actualité, Israël a lancé attaque tout neuf dans le territoire Gaza. Dans le moment, l'administration américaine dit attaque Israël a lancé dans le territoire dépassé limite. Président Joe Biden voulait jeter résultat d'une enquête qui fait qu'on ait l'hyper de mémoire. Et puis en Haïti, manifestation continue contre le premier ministre Ariel Henry. Plusieurs leaders politiques disent qu'ils ne peuvent pas reconnaître depuis 7 février. Nous l'autre fois encore saluer nous et nous remercier que vous êtes toujours là et sous pour monter, dire pour monter à bord. Nous avons avec Nouvelle-Yo, avec porte-parole police nationale là, commissaire divisionnaire Guy Deosier, qui était en contact avec la presse justement pour te faire un bilan de travail ou bien de ça qui passait exactement pendant toute manifestation qui déroulait contre le premier ministre Ariel Henry. Bien, trois présumés bandits qui malheureusement blessé mortellement au niveau route du frère suite à intervention hôpital et au niveau la boule bien malheureusement 5 morts du côté de Bessac. Pour Pipiti, gagné 10 âmes qui saisit et plusieurs interpellations qui fait. Au niveau de Hinche, nous enregistrons 2 cas de pillage, à savoir mairie Inchelan, également bureau départemental, ministère finances et bien plusieurs interpellations qui fait dans ce sens. Au niveau de l'Antibonite, dans la localité Cibois, bandit corporate sans ratio était paré dans la zone d'an et rapidement la police a fait intervention et arrivé établir l'ordre et la situation est retournée dans calme. Et il y a 2 centres commerciaux dans la zone d'Antibonite là qui pillaient. Dans le nord, nous enregistrons des dégâts matériels. Et il y a des barricades au niveau Barretière, également au niveau Madeleine. Au niveau Anamet, qui c'est une localité, et alors, et au niveau, je crois, ouais, au niveau Anamet, où incendie,
et qui enregistré au niveau quoi aux gens et gagné tout véhicule Mérianto qui incendie. Et concernant Terre Rouge, gagné commissariat Ferrier, également commissariat Terre Rouge qui essuyait le jet de pierre. Au niveau NIP, gagné une manifestation qui était dispersée suite à l'intervention de la police, gagné 3 individus qui interpellés. Gagnant et au niveau la boule et selon rapport équipe intervention qui était sur place là gagnant malheureusement 5 morts au niveau de ça et gagnant 3 monde qui arrêté qui voulument au niveau de la direction centrale de la police judiciaire. Et faut dire que dans la fin conférence de presse, eh bien, journaliste qui était dans la salle là, qui t'a su conférence de presse, eh bien, il était commencé battre chalbari des commissaires pour justement pour te dénoncer ça qui t'a fait, ça qui arrivait, un collègue. Donc, c'est Jean-Jean Marc qui t'a recevoir un bonbon et gaz lacrymogène dans G. Et il t'a semblé, d'après nouvelle, il y a un peu de chance qu'il est capable de perdre déjà, s'il n'a pas perdu déjà. En tout cas, le commissaire Gary Deosé était dans l'institution policière, t'es rendu dans le centre hospitalier, dans la capitale, là, côté de la loi victime. Là. Ce sentiment que moi gagné que toujours la mission m'a devine là pas venir avec ni policier avec ni une machine police venir avec journaliste ça a montré encore une fois sentiment qui gagne dans métier comme au monde qui fait radio déjà et moi senti que me parle on freine. Et c'est ça, on voulait dire nous merci. Parce que confiance, c'est ce que nous faisons. Et est-ce que mériter, je pense que c'est fort, on fait plus pour nous capabiliser plus dans nous. Moi, je suis journaliste, jeune journaliste, Jean-Jean Marc. Et Martin, on a dit maman, la Radio Caraïbe. Il est arrivé dans le cœur. Et moi, c'est très fort. Surtout, maman, ça a. Qui décrit petit client et faut que je fasse à petit client pour que arrive là. Moi, je parle avec maman. Maman dit, mais qui ça, que vous devez faire urgence. Ce que moi-même, je prends responsabilité que je vais au niveau, au commandement, pour que je sois capable de porter doléance. Bon, je dis, on a de bagarre encore. Gagner police, population et la presse. Je pense que c'est important que symbiose, malgré la situation, ça, et situation ça est vraiment terrible, et c'est regrettable. Je regarde les yeux journalistes, hein, c'est vraiment triste. Et c'est monde que mieux, ils sont catholiques, c'est normal pour me sentir sans moi. Je ne parle pas de trop. Parce que quelqu'un peut peut-être deux ou trois questions, mais encore une fois, je prends en charge pour que l'aime saute là, comme l'a accompagné dans la direction générale là, pour que je vais compter pour nous donner un sens et pour suivre rapide capable de faire. C'est ça que je dis par an et c'est même pas. Porte-parole police nationale là, commissaire divisionnaire Gary Deosé, qui t'a rencontré la presse après t'a visité un journaliste qui est victime pendant des blousards ou pendant la manifestation qui t'a fait contre le gouvernement, Premier ministre Henry, dans Port-au-Prince depuis la commencement de semaine. Dans l'autre programme de mini-actualité, on a dit porte-parole agence Douamoun, Nations Unies, Malta, Hurtado. Eh bien, il a lancé avertissement jeudi à bout de crise Douamoun, non, vient plus grave en Haïti après un rapport qui est publié, considéré, moi, janvier, comme yon nan mwa ki pi violent yo chanm constaté depuis des mois. Entendez Malta Hurtado. Au moins 806 personnes non impliquées dans les violents échanges en cours ont été tuées, blessées ou kidnappées en janvier 2024. Quelques 300 membres des gangs ont également été tués ou blessés. Pourtant, le nombre total de personnes touchées à 1108, soit plus de trois fois les nombres enregistrés en janvier 2023. Les habitants des zones contrôlées par les gangs ont été directement visés.
Les gangs continuent également d'utiliser la violence sexuelle contre les femmes et les filles comme une arme et de semer la peur en partageant sur les réseaux sociaux des photos et des vidéos effroyables d'individus tués et de femmes violées. L'impact de ce torrent de violence sur les enfants reste particulièrement préoccupant. En 2023, 167 enfants ont été tués ou blessés par balle. Certains ont été exécutés par des gangs ou des groupes dits d'autodéfense pour leur soutien présumé à leurs rivaux. Le recrutement d'enfants dans des gangs reste extrêmement inquiétant. Paul et Nations Unies, alors, qui t'a parlé, nous, qui sont ses responsables, l'ONU, hein, ils déclarent tout, à Malta ou tout à l'heure, déclarent manifestations qui ont débouché sous la violence, côté, ils ont attaqué lieu public, avec privé, et bien, ils ont qu'est-ce tout pour recours inutile avec utilisation qui est disproportionnée, la police employée contre civils. En parlant de, rapport ou bien encore d'intervention de la police, et bien, il y a un avocat qui sont membres à Comontana, il est Izouik Théophin, et bien, il a annoncé qu'il va déposer plainte contre la police pour les actes que les accusés policiers ont commis pendant la manifestation contre les manifestants. Ils ont lancé près de 30 bonbons de gaz lacrymogène sur nous, 4 qui ont avancé, qui ont fait résistance avec eux. Nous dénoncer et nous avertir l'opinion publique nationale et internationale. Incessamment, nous allons déposer plainte pour ensemble des malfrats qui mettaient uniforme la police, qui ont exercé représailles parce que Ariel Henry, non, soi-disant adresse à la nation, tête en bas fait, les dit, les bien payés et féliciter pour le travail qu'ils ont fait. Émission ça a regardé là, on attendait là, il sorti directement dans la capitale fédérale américaine dans Washington DC. Actualité à Kembenou, ici aux États-Unis, dans affaire documents confidentiels. Président Joe Biden a mené campagne pour une réélection, donc pour un autre mandat dans la Maison Blanche. Eh bien, il est content pour décision procureur spécial là, qui permettait accusation et criminelle contre lui. Mais, qui dit, il s'est un petit grand monde qui charge avec problème de mémoire. Jacques Mbélisé a regardé le dossier ça pour nous. Procureur spécial Robert Hertz a enquêté sous façon président Joe Biden te géré documents confidentiels, ça il est en anglais classified documents, décidé dans un rapport qui paraît hier jeudi 8 février pour pas mettre poursuite criminelle contre président démocrate là que lui présenter comme un grand monde qui pas gain bon mémoire. Même si décision ça a pas gain trop conséquences judiciaires sous président démocrate là, mais il gagne quand même un impact politique sous lui par rapport à l'âge li, 81 l'année, nan moment semblé li en direction yon face à face encore ak Donald Trump nan présidentiel 2024 yo. Ministre Justice la Mary Garland, qui l'a depuis janvier 2023 ak procureur spécial là monsieur Hurt, conclut que Joe Biden t'est volontairement gardé et divulgué documents secrets yo après l'été fin mandat comme vice-président côté l'été retourné comme simple citoyen. Procureur a estimé yon accusation criminelle pas nécessaire parce que yon jury tape bali facilement le bénéfice du doute pour être lissé yon petit tonton âgé, sympathique, qui gagne bonne intention, mais qui gagne mauvaise mémoire. Président Joe Biden bat bravo pour décision procureur. Procureur spécial là reconnaît que moi t'ai coopéré, moi pas te mettre barrière et que moi pas te chercher faire enquête la durée. Vraiment vrai, moi t'ai déterminé pour me bailler procureur toute sale besoin et que moi participé dans un entretien qui t'ai duré 5 temps dans 2 jours, 8 et 9 octobre année passée, alors que Hamas t'ai fait attaquer Israël. Vraiment vrai, Hamas te mené yon attaque contre Israël dans date 7 octobre 2023, ça qui t'a pral débouché sous guerre Israélo-Hamas là qui l'a jujouné jodi a. Président Biden insistait tout sous différence qui gagnait entre attitude pâle dans affaire ça à comportement Donald Trump qui en bas accusation jounen jodi a d'est-ce que l'État
broté un paquet de documents, des centaines de documents confidentiels, après qu'il était fini quitter la Maison Blanche, et qu'on y a lié en bas accusation de ce qu'il a campé en quoi devant la justice nous a fait ça. Président Biden t'a tout profité de réunion ça dans Virginia avec partisans démocrates liés pour critiquer les républicains dans le Congrès qui bloquait un projet de loi qui a un rapport avec les frontières, côté les qualifiés de parti déblosaï à désignant. Et m'a dit nous que Jacqueline Facebook là il s'est fait à l'heure là elle t'a annoncé nous que nous avons une grosse nouvelle. Eh bien bon nous pas de nouvelle ça li là l'a venir mais nous pas de gagner dans édition ça mérité branché sur toutes et plateforme nous pour capable connaître nouvelle ça qui censé tout un autre point cap devenir actualité a et puis n'a dit que conseiller président Biden yo rencontré leader arabe américain avec musulman dans Michigan. Sandra Lemaire. Responsable replacé administration Biden a rencontré jeudi leader arabe américain et musulman dans l'État Michigan. Rencontre la tombée dans le cadre GFOR gouvernement a fait pour réparer lien avec communauté Sahara qui pourra jouer un rôle important dans décider si président Joe Biden capable remporter la victoire dans un État qui pourra jouer un rôle important dans l'élection 2024 là. Président démocrate là a fait face à colère arabe américain yo ak progressiste pour support li bay Israël après attaque 7 octobre Hamas te lancé a malgré Biden insister pour dire l'a essayé minimiser la mort civile yo dans Gaza. Rencontre yo t'est en main jeudi matin et puis duré juste après-midi. Député état Michigan Abraham Aish qui c'est deuxième démocrate plus haut placé dans parlement état Michigan là t'est parlé avec Associated Press après rencontre là dans ville Dearborn. Rencontre là a duré 2 heures de temps. Trying to use my ability to engage with the White House to help them maybe shift course. Il dit, m'a essayé de servir avec toute capacité pour parler avec la Maison Blanche et puis aider ou peut-être changer de tactique. Au moins, nous avons dit qu'il n'y a pas qu'à tourner à Washington et puis dit qu'il n'y a pas tant d'opinions. Nous avons partagé l'histoire. Palestiniens ont parlé avec eux. Arabes américains ont parlé avec eux. Musulmans américains ont parlé avec eux. Responsables élus, coup simple citoyen. Ils n'ont pas aucun prétexte pour dire qu'il n'y a pas de connaître. Michigan, c'est l'État américain qui gagne plus gros concentration arabe américain dans le pays États-Unis. Gagne plus passé 310 000 citoyens États qui gagnent ancêtres qui sortent soit dans le Moyen-Orient, soit dans l'Afrique du Nord. Presque moitié résidents Dearborn, soit 110 000 moun, c'est arabe. Après républicain Donald Trump a remporté la victoire dans Michigan avec hommage moins passé 11 000 voix en 2016, arrondissement Wayne avec gros communauté arabio t'a aidé Biden remporter la victoire pour démocratio en 2020. Lexis Zeidan, c'est un activiste qui opposait rencontre. Our president has a responsibility to our people and our demands on what it is that we need as humans. Le dit président nous gagne responsabilité vis-à-vis peuple là avec demande nous avec ça nous besoin en tant que chrétien vivant. Donc c'est Biden avec administration li avec décision à prendre qui prend la cause la perdue élection et puis peut-être remettre Trump sous pouvoir. C'est pas faute nous. Nous ici là et n'a demandé pour reconnaître que gagne la vie chrétien vivant qui en jeu. La Maison Blanche accompagne Biden très au courant de dynamique politique. Yo. Imam Imran Salah opposé rencontre ça tout. Quelques douzaines manifestants ont chanté Libérer Palestine avec suspend génocide là et ont marché sorti dans parking ou centre achat pour y aller camper devant hôtel dans ville Dearborn côté rencontre là tab déroulé. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Et bien bon, nous parlons dans Moyen-Orient, côté président Joe Biden, considéré attaque Israël à planser sous territoire Gaza depuis 7 octobre passé à, comme une attaque qui dépassait limite, Jean-Thierry Augustin. Après Israël rejeté proposition pour joindre une entente pour un suspend tiré dans la guerre, l'armée Israël là continue à attaquer dans Gaza. Population Gaza lui-même pas carré un souffle depuis réplique 7 octobre 2023.
Bon côté parle, président américain Joe Biden dit intervention l'armée Israël là dans Gaza est exagérée. I'm of the view, as you know. Moi au courant, Jean ou connaît que intervention dans Gaza, dans région Gaza est exagérée. Président américain Joe Biden a hier jeudi 8 février ya fait comprendre que réponse militaire Israël là dans Gaza est exagérée et il ajouté que il a travaillé pour arriver joindre une pause durable dans bataille là. And so that's et puis, m'a fait un pile fort kounya pour m'aborder si span tiré otage ça parce que Jean ou connaît moi te travail sans prendre source sous affaire ça malgré un pile de match a fait pour joindre une pause dans la guerre ça force israélien yo jeudi vendredi 9 février ya te gayé un groupe militant la paix qui t'a manifesté tout près Jéricho dans Cisjordanie qui occupé pour mander un fin dans la guerre cap continuer dans Gaza. Message nous jeudi c'est suspendre la guerre et le génocide contre le peuple noir dans Gaza. Rive joignons un accord échange pour tout le monde. Ak yon solution juste pour la cause palestinienne. Militants la paix israélien et palestinien yo te réuni pour mander l'idée pour le rive joignons un accord échange ak yon solution politique juste. Dans mitan conflit, kap continue entre l'armée Israël la et groupe islamiste palestinien Hamas la dans Gaza. Yon la guerre qui pote en pile tristesse ak chagrin nan keti moun yo. Nous perdit tout jouet nou yo la kay nou. Ensemble ak zanmi nou yo ak moun nou renmen yo. Même jan israélien yo pilote avion yo, nou pral pilote tout avion nou yo. Ki se se volant? Avion israélien yo fait attaque aérien alors que pa nou yo pa fait ça. Ti moun palestinien ki déplacé yo, ki sakaje en pile nan plus passé 4 mois la guerre, mette se volant yo en l'air nan camp 14 nan Rafa, sous frontière Gaza ak pays l'Égypte. L'armée Israël la te commencé offensif militaire liyo après militant Hamas qui sorti Gaza te touye 1200 moun et puis prend 240 otages dans site Israël 7 octobre 2023 d'après officiel Israël yo. Pour ministère santé Gaza Hamas a dirigé plus passé 27 000 Palestiniens déjà mouri depuis conflit a te commencé. Gentil Augustin Junior, Washington pour VOA Creole. Merci, Jean-Cyr Augustin Junior. Et il a dit que le gouvernement haïtien prend un décret côté li bay 3 jours congé, dimanche, lundi à mardi, pour carnaval. Donc, il a demandé ni secteur privé, secteur public, et bien, par l'école, tout secteur fermé lundi, et m'a dit à cause de carnaval. Nous pourrons aller directement dans en Floride, côté, ça va gagner longtemps. Journaliste Pierre-Renel René parlait avec un haïtien qui rentrait aux États-Unis dans le programme humanitaire et les programmes Humanité Parole, là, qui est le programme Biden, là. Et bien, en entendant des déclarations d'âme saatique pour Pierre-Renel René. Deux mois après l'arrivée aux États-Unis dans quatre programmes humanitarian parole là, Raymond toujours attend quatre travail li. Document ça a révélé l'important pour le démarrer dans nouvelle vie américaine qui portait pour lui un pile d'espoir. Pendant le continue à attendre, Acheloise là pas entendre garder derrière, devant opportunité li quoi programme ça offri malgré retard dans un pile ça yo te promettre yo. Moi-même, moi t'ai fait mois et demi avant de recevoir food simple. Mais pour cash là, quantité moun yo pensé et moun yo a dit moun recevoir, c'est pas ça. Gen moun ki di yo ta recevoir $400 chaque mois. Non, moi même moi pas recevoir $400. Moi recevoir pour première fois moi jwenn cash, moi recevoir $104. Après ça pour food simple, 4 foot simple pour moi, on recevoir $291. En attendant, Raymond fait la descente la caille un cousin qui recevoir avec 3 autres membres famille qui viennent dans le même programme. Présent ça a désormais changé la vie cousin. Ça fait déjà 14 années depuis la vivre dans le pays. Et c'est réalité en pile famille aux États-Unis qui te choisi sponsoriser un proche ou bien un ami depuis le programme ça a été annoncé. Moi-même, je travaille 4 jours dans la semaine. Je travaille, moi, quitte la caille, de 5 heures du matin, je tourne 5 heures
après-midi. Ça ici m'a gagné mon ami moi en proche moi qui pour rendre moi un service avec moun ça que me recevoir soit mener à acheter un bagage pour moi soit mener non bio à filer un papier soit mener à acheter quelconque ça dit moi même seulement moi pas t'ap café mais c'est parce que moi gagne entourage moi mes amis depuis les moun nan dit est-ce que ca recevoir me dit oui me ca recevoir mais entre temps me ca consulter quelques amis me dit bon si me pas là me pas travailler est-ce que vous carrément moi tel service et très loin réalité qui décrit là en pile haïtien pourtant continue à attendre un email pour approuver yo. Pendant temps ça certains autres compatriotes qui soit recevoir ou bien accueillir un moun la caillou yo, pas cacher déception yo déception moun qui vini yo même tout partager. Moi, c'est Pierre-Renel René, depuis Fort Lauderdale, pour VOA Créole. Journaliste Kamé Amante a rencontré tout avec un avocat qui travaille dans le domaine de l'immigration et qui t'a expliqué qui ça s'est dit, le patron au monde qui vient dans le programme. Le programme humanitarien Parola, qui est un jouet de programme Biden, c'est un contrat sponsor et bénéficiaire à faire avec le gouvernement pays les États-Unis, d'après l'avocat immigration, M. Eddy Laguerre. Léon sponsor signé. Forme I-134A, il dit que li a d'accord pour moun nan vini, gen question qui directement gen rapport avec logement. Qui dit est-ce que ou promet que ou assure que moun sa gen logement et pour dire oui ou expliquer qui soit fait pour ça c'est une question côté que faut taper un texte même pour dire que ou rassure que moun sa gen logement l'el vini. I forme I-134A son contrat lié qui gen trois parties là-dedans. Sponsor, bénéficiaire, gouvernement américain. Deux mouns ont entendu en présence du gouvernement américain. Ils dit, ils sponsor pour mettre que l'assurer que mouns sont capables d'intégrer le pays, les capables de gagner un logement et les capables de gagner basic nécessaires que les besoin pour capable fonctionner dans le pays. Un sponsor pas respecté ça qui était dans le contrat. Maintenant. Et techniquement, ça qui est capable d'arriver, c'est que le sponsor a violé un contrat. Mais il faut que vous toujours songez que son contrat qui est là, qui vous est signé, vous te promet que vous allez recevoir moun. Parce que son contrat est signé, et le contrat, ça a n'importe quel moment vous êtes capable de choisir, exécuter le contrat, ça a que vous avez violé. Mais tu dis la gamme de tout le monde, qui t'a sponsorisé, vous bénéficiez pour respecter le droit. Lorsque vient dans le programme Biden, non. L'important pour que les gens qui reçoivent la connaissent que les doivent respecter les droits de l'homme. Non, pendant tout le processus que les gens ont fait dans l'immigration, USCIS rappelait ni sponsor ni les gens que les gens qui rentrent dans Biden n'ont pas aucune redevance légale envers les gens qui étaient sponsor. Ils n'ont pas gagné pour le travail pour les gratis, ils n'ont pas gagné pour le bal l'argent, ils n'ont pas gagné pour faire aucune redevance légalement. Évidemment, comme les gens, nous gagnons une obligation morale. Que vous êtes capable de sentir que vous-même vous gagnez par rapport à un monde qui te font bien pour songer que la loi n'a pas demandé pour que bénéficiaire la remette sponsor en rien que le fait pour lui parce que le programme n'a demandé que sponsor aide mon nom volontairement et gratuitement. Moi, recevoir mon cabinet, moi, en pile dossier côté que mon nom qui vient aux États-Unis, il y a pour recevoir une qualité pression de la part d'un sponsor, par exemple. Soit parce que le sponsor a demandé pour le travail pour lui pendant quand c'était moi, soit le sponsor a demandé pour le quand c'est comme dans le salaire pendant quand c'était moi, son contrat côté signé, avec moi, il n'y a aucun côté que tu dis que le bénéficiaire a une relevance pour le bail sponsor. Il faut que nous fassions attention pour que nous ne fassions pas de traitement, parce que lorsque nous forçons mon travail contre volonté, c'est human trafficking, ça y est en anglais, où il y a traite de personnes, il est capable de labor trafficking, il est capable de human trafficking, et il est capable c'est des bagages qui permettent que nous sommes capables d'appliquer avec USCIS pour visa qui l'a. Pour les gens qui sont victimes de qualité traitement ça. Jean-Marc Viabila, Miami, pour VOA Créole. Et puis je dis à ce vendredi, on a joué Serge Rodriguez pour nous être sauvés d'être. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans l'actualité culturelle semaine ça sur VOA Créole. Côté nous pour aborder un sujet qui a fait zin dans la République, dans comme Marie-Lise a dit ça. C'est question que Travis Kelce a fait en proposition de mariage à Taylor Swift pendant Super Bowl. Jusqu'à présent, nous avons un stade de rumeur, nous ne pouvons pas connaître. Si ça pour la vérité. Et puis mes amis, m'a demandé pour tout le monde quand il s'est baillé parce que pral vient causer dans la nouvelle sauvée de Dieu. Il y a un rumeur qui a couru dans la rue, comme quoi joueur Paul Carré Travis Kelce, qui fait partie de l'équipe Kansas City Chiefs, t'apparaît pour le fourrer un bac fiançailles dans notre superstar musique américaine Taylor Swift, dans l'occasion Super Bowl qui va le dérouler dans la ville de Las Vegas cette année, Nevada, dimanche qu'à Vina.
Pour ça concerner Kelsey, eh bien, il dit que j'ai bagla dans tête li vraiment vrai, mais il plus à penser à qu'on bag champion si Joka Kansas City a remporté la victoire dans Super Bowl là en face équipe San Francisco 49ers et non pas qu'on bag fiançailles pour superstar musique américaine là Taylor Swift. Il précisait par aussi la sortie bon côté monde qui voulait faire actualité sur les réseaux sociaux. En tout cas, d'après lui-même qui a circulé sur question, Travis Kelsey a disposé mettre genoux li à terre pour tout le monde Noël dans mi-temps terrain Super Bowl là après match là pour faire une demande de mariage bon côté superstar américain. Une situation qui a provoqué gros gros contentement dans mi-temps fanatique artiste là que monde bâti nos jouets Swifties. Pour nous raconter causé à le fil en aiguille, il y a un bijoutier qui paraît pour livrer un bague fiançailles $1 million vet si Joka Kelsey a voulu faire une proposition en mariage. N'a prêté sur Taylor Swift toujours pour dire que film qui est basé sur Eras Tour Superstar américaine pour commencer à passer sur chaîne cinéma sur Internet Disney. Qui donc film là pour commencer à passer sur chaîne numérique ou digitale si vous voulez à partir 15 mars Kabin là. Quand on a passé quoi il y a Jules de Ronfray pour dire nous ce qui a passé dans Echema là, dans Miami. Week-end qui s'est passé là, groupe musical Lovers Band a performé dans Randy's Nightclub dans Miami. C'était soirée anniversaire chanteur principal là qui c'est Rose Lonwell qui était dans le micro de Wa Creole après performance li. M'a chanté depuis à l'âge de 5 ans parce que moi levé l'église donc en 2015 mon yo t'a pral apprendre connait Rose c'est à travers Digital Stars moi t'allé dans concours en 2015 moi t'ai gagné 16 ans je crois et public t'a pral dévoiler qui est-ce qui Rose Lon vraiment donc m'a chanté depuis à l'âge de 5 ans. Oh donc comment c'est chanté en Haïti? Depuis en Haïti exactement. Maintenant, est-ce que Lovers Band, c'est le premier groupe musical? Yes, Lovers Band, c'est le premier groupe musical que moi en lead. Yon l'autre côté, groupe musical dédicace Music Band installé depuis plus passé 6 mois dans ville Miami. Chanteur Jazzland, Abdias Pierre, à bail détail sous dédicace Music Band. Octobre, nous faisons réunion en septembre en République Dominicaine. Et puis, en octobre, nous commençons à passer à l'action aux États-Unis. Donc, Dédicace Music, c'est jazz qui a évolué en Haïti. En début 2016-2017, nous avons évolué en Haïti. Après ça, nous passons en République Dominicaine, nous faisons un pile bagaille. Et puis, nous sommes aux États-Unis. Merci beaucoup, Julien Ronfray. Mesdames et Messieurs, merci infiniment d'être été avec nous jusque-là pour l'actualité culturelle Semaine ça sur Biwa Creole. Nouvelle souveraineté, moi, c'est Sergio Rodriguez. C'est. Le féminin U17 haïtien tombé devant les États-Unis 7-1. Et Gol là, c'est petite là qui est l'aile des vedettes équipe de la madame Etienne.